Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau, dit le Seigneur. Même si vous n'avez pas d'argent, venez et buvez avec joie. Bienvenue pour cette messe vespérale et grâce à Catéo, notre communion s'élargit pour célébrer le don que Dieu nous accorde pour avancer à travers le désert qui nous entoure, un monde difficile, plein de paradoxes et de contradictions, plein de pièges aussi peut-être. Et l'eau que Dieu nous donne aujourd'hui, c'est l'eau de la piscine de Bethesda, près de Jérusalem, où Jésus vient guérir un paralysé. Nous entendrons justement deux choses importantes. La première, c'est que ce n'est pas simplement d'aide humaine dont nous avons besoin, mais l'aide de Dieu lui-même. Et nous avons aussi besoin d'entendre combien Dieu nous remet en marche. Prends ton grabat et avance. Voilà. Décidons-nous à avancer au rythme que Dieu nous signifie. Demandons pardon pour nos péchés et confions-nous à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai prié, péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur, en ce temps de pénitence, donne à tes fidèles de te servir avec un cœur généreux pour être bien disposés à accueillir le mystère pascal et proclamer l'annonce de ton salut. Par Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison, et voici sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient, puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient. L'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord, et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient, et là encore, l'eau coulait du côté droit. L'homme s'éloigna vers l'Orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de 1000 coudées. Alors il me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. J'en avais jusqu'aux reins. Il en mesura encore 1000. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau avait grossi. Il aurait fallu nager. C'était un torrent infranchissable. Alors il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Puis il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand nombre. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. » Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas,
et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethesda. Elle a 5 colonnades, sous lesquels était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Il y avait là en particulier un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai pas d'homme pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton grabat et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour était un jour de sabbat. Les Juifs, les autorités juives, lui dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. »
il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Mais quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait rétabli Jésus, le malade, ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux autorités juives que c'était bien Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutèrent Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a bien des guérisons, notamment de boiteux ou de paralysés dans l'Évangile. Ce récit-là est un peu particulier et il y a cette insistance sur le fait que d'une part, Jésus fait du bien, d'autre part, il le fait vraiment de la part de Dieu. Jésus vient pour nous aider à repérer dans le cours de nos existences, dans les faits peut-être divers de tous les jours, comment Dieu prend véritablement soin de nous. C'est une question que légitimement on peut se poser. Nous avons habituellement une si grande idée de Dieu, un peu abstraite par ailleurs, qu'on se dit que Dieu n'a pas, en parlant humain, n'a pas de temps à perdre à s'occuper de nos petites histoires. Or, si nous croyons au Dieu qui se révèle par les prophètes et par Jésus-Christ, ben, nous sentons bien que c'est le contraire. Dieu prend soin de son peuple et un des titres qu'il revendique, et en tout cas qu'il révèle, c'est celui de bon pasteur, donc qui prend soin de ses brebis. Vous savez, c'est comme les médecins, il y a des médecins qui vous tâtent, si j'ose dire, pour prendre votre pouls, sentir votre cœur, écouter vos poumons. Et c'est rassurant. Vous voyez, le médecin qui reste derrière son ordinateur, bon, on se dit que voilà, il est un peu loin. Hein. On peut consulter maintenant, semble-t-il, par Internet, mais ça vaut pas le contact personnel. Or Dieu, par les prophètes et par les gens qu'il choisit, rentre en contact avec nous. Il vient nous toucher. Et en Jésus-Christ, c'est encore plus patent, puisque le Verbe éternel, le Fils de Dieu vivant, devient l'un d'entre nous, lui qui est né de la Vierge Marie, pour sentir, pour connaître ce dont nous avons besoin. À la piscine de Bethesda, dans Jérusalem, on voit que Jésus s'intéresse aux malades qui sont là, apprenant qu'il était là depuis 38 ans. Et donc il s'intéresse au diagnostic, à ce que vivent les personnes. Mais pour autant qu'il fait cela, il le fait et il va plus loin. Mais d'aller plus loin n'empêche pas de s'occuper aussi des petits détails. C'est l'ensemble des deux. Il faut s'occuper du niveau humain et il faut rejoindre le niveau divin. Et c'est vrai que le malade, je n'ai pas d'homme pour me jeter à l'eau, pour m'aider. Il cherche une aide humaine. C'est bien de chercher une aide humaine, c'est même nécessaire. Mais il faut aussi aller au deuxième degré, aller chercher comment, par quelqu'un qui vient à mon aide, comment c'est Dieu qui signifie sa présence et sa bienveillance. Et c'est pourquoi Jésus fait des miracles, spécialement le jour du sabbat. C'est pas du tout pour transgresser la loi de Moïse, car Jésus est fidèle à la loi de Moïse qui a été donnée par Dieu, par la médiation de Moïse. Mais c'est Dieu qui a donné la loi, donc elle est juste et elle est bonne. Mais qui travaille le jour du sabbat? C'est Dieu. Parce que Dieu achève le jour du sabbat l'œuvre de la création. Achever un travail, quand je demande à un séminariste d'achever son travail, d'achever son devoir, ben, il doit encore travailler. Et donc, pendant le jour du sabbat, Dieu achève, prolonge, fignole, si j'ose dire, l'œuvre du sabbat. C'est ce que Jésus fait quand il vient guérir, quand il vient nous guérir. L'enjeu du carême, c'est de retrouver notre identité
tel que Dieu la voit, tel que Dieu la désire, tel que Dieu la projette dans son propre cœur de bon pasteur. Alors, ne résistons pas à la bonne volonté de Dieu. Dieu fait tellement de signes pour nous dire « Écoutez ce que je vous demande, réalisez ce que je vois pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux. » Eh bien, faisons-lui confiance et que cette deuxième partie de carême soit vivifiante pour nous tous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés, qu'ils témoignent des bienfaits de ta création pour notre condition mortelle et qu'ils deviennent le remède qui nous procurera l'immortalité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Levons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par nos jeûnes et nos privations, réprimer nos mauvais penchants, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints dans le ciel, nous voulons te bénir sur la terre en chantant d'une seule voix. Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant,
prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Germain d'Auxerre et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, et en particulier pour les défunts de la famille Vallée-Bonpoil, nous te prions. Dans ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur qui lui-même parle au nom de Dieu, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons alors libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons maintenant que se réalise la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, car à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, qu'elle en soit le signe parmi tous les hommes, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donne-nous un signe de cette paix. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Rendons grâce ensemble au Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, purifie nos esprits et que tes sacrements nous renouvellent. Fais que nos corps y trouvent une aide pour aujourd'hui et pour la vie future par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Demandons à Dieu qu'il nous bénisse en abondance et que nous puissions recevoir au plus profond de notre cœur les biens qu'il nous accorde. Dieu de miséricorde, fais que ton peuple soit toujours fidèle à te servir et qu'il reçoive constamment de ta bienveillance ce qui est le plus profitable et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Ave.